L'un des nouveaux points clés de la gamme Océanis est de perfectionner l'expérience en navigation, de donner du plaisir à la barre. C'est pourquoi, avec nos architectes Finot et Conque, nous avons développé des nouvelles carènes. Ce redan en est l'exemple. Il permet d'optimiser la surface mouillée sous la flottaison et au-dessus, de gagner 40 cm au niveau du lit pour gagner du volume dans la cabine avant. Ce n'est pas seulement à l'étrave qu'on bénéficie des avancées de cette nouvelle carène. Nous avons également reculé le mètre beau pour donner plus de raideur à la toile et opté pour un choix de bisafran avec une liaison en drosse textile permettant plus de contrôle et de réactivité à la barre. Sur ce nouveau modèle, nous avons trois versions de gréement, en rouleur, standard et performance. Sur l'enrouleur, nous pouvons le coupler avec un foco auto-vireur et avoir vraiment une navigation easy sailing avec uniquement deux winches au poste de barre. Ensuite, le mât standard avec une voile lattée. Enfin, pour plus de performance, nous avons opté pour un mât rallongé qui peut être en carbone, couplé à une quille profonde avec un bulbe qui permet de réduire la traînée. On a vraiment, dans ce cas-là, une version vitaminée et boostée. Pour aller plus loin, vers plus de plaisir à la barre, nous avons, contrairement au 45, ajouté un bout dehors qui permet de coupler un code zéro ou un spiet symétrique. Ces voiles sont vraiment idéales pour les petits airs et pour naviguer proche du vent tout en conservant le génois. Un point important également sur ce nouveau modèle, nous avons rabaissé le vilemulet pour permettre un meilleur accès à la voile, quelque chose qui nous était reproché sur le 45. Et également, cette nouveauté est vraiment un compromis entre le confort et la vitesse puisqu'on augmente aussi la surface de voile en rabaissant la baume. Remontons maintenant au point d'écoute où ici, dans cette version, nous avons la pontoire en avant de la descente. Nous avons toujours gardé l'option arceau disponible sur ce nouveau modèle sans avoir à remonter la baume. Nous voici donc au poste de barre. Nous avons opté pour une commande déportée qui nous permet en navigation d'avoir une bonne visibilité vers les voiles. Ensuite, sur le pupitre, nous avons un écran 7 pouces permettant de faire la navigation, la commande pour le pilote automatique, un écran tri-data pour contrôler la vitesse du bateau et le propulseur d'étrave à portée. Donc nous avons ici un poste ergonomique pour le skipper.